c'est pas une personne qui met dossier à deux. Et pas Macron, non, qui vient dans un dossier. Et pas Val qui vient dans un dossier, non. Et pas Louko et Zahir César qui vient dans un dossier, non. C'est pas vous-même qui vient avec lui. Donc, le gouvernement, les membres de l'opposition qui sont actuellement au pouvoir, le PM Ariel Henry, est-ce qu'ils ont trahi Badi? Est-ce qu'ils ont trahi Badio? Qui fait Badio à mettre bâton dans le rouge aujourd'hui? Il y a un problème que après résoudre toi-même. C'est pour nous comprendre ça. Donc, il faut comprendre que Badio serait a priori trahi par ses partisans. Donc, il a attaqué Mayon fort de la presse. Mais nous-mêmes, n'a pas analysé, je ne dois analyser. Mes dossiers à tous sont mis en garde. À Ariel, dans un premier temps. Je dis attention, Ariel. Attention. M'la. Concernant le monde qui compte dit que Ariel qu'on a rencontré Badio, la K, etc., etc., etc. Si Badio fait ça, donc, on peut couper. Parce que Badio peut mettre en difficulté, là, il fait ça. Donc, on peut couper. Tout le monde a montré que y a un problème avec Badio. Deuxièmement, comme Badio somme GPPC, Zahir, Louko et Pierre Espérance, il vient dire tout le monde. Je viens dire, attendez-nous. L'autre aspect de question, hein? Attendez un petit monsieur. M'attaquez-nous parce que c'est moi qui n'a pas sous moi. L'autre angle de la question. Et moi qui n'a pas sous moi. Même si ça, monsieur, se dit, était évoqué dans le papier là, ça va gagner un boulot avec moi. Oui. Mais mon message en filigrane, monsieur, voulait faire passer. Sous moi, oui. Deuxième aspect de question, hein? Monsieur veut dire que pas gagner un boulot un assassinat. On se dit menti. Par le cochon, le cavalier dit tout. L'absence son Jean pour le blanchir. Pour qu'a dit Ariel Baladon. Cela pourrait être capable d'interpréter comme un complot entre Badio et Ariel. Ou par contre qui instance judiciaire et qui structure mettait pour suite. Ça ne peut pas le passer. Hein? Donc, on ne peut pas interpréter comme un coup politique. Mais on doit rester véatif parce que Jovenel pas mourir comme ça. Attention. Troisième aspect de la question, est-ce qu'on n'essaie pas de détourner l'attention du peuple haïtien sur l'arrivée des forces étrangères? C'est mon bail à Bangame. Dossier ça tue dossier Mika automatiquement. Il tue dossier gaz là, même là, automatiquement. Il tue dossier la vie chère, même si bala est dans nous. A fait l'école là, et puis on va nous marrer. Et puis t'as l'entend des hélicoptères dans les trucs bail ça. Donc, je demande peuple pour le vigilant. Sous acte de sommation ça, sous sommation ça fait là. Ce n'est c'est pas objectif première qui s'est attaqué Pierre Esaü, Louko Agaï. Gon bagay caché. Nous avons évoqué ça en plus. Gon l'autre bagay qui peut arriver. Est-ce que document ça pas dit à l'étranger, attention, hein, cet homme qui est au pouvoir est un assassin. Donc, le monsieur mandé pour étranger venir, pas occupé, monsieur pas venir. C'est le message. Parce qu'on connaît depuis nous qu'on parlait, depuis me parler, depuis Pierre parler, qui gagne des pénétrations au niveau international. Eh bien, on va beaucoup de ça, depuis nous parler. Il faut interroger tout le bail net. En plus, le bail est montré là, à partir de ça, que Ariel est capable de difficulté. Tenez-nous. Si pendant ça fait d'ailleurs attaquer physiquement Pierre. Si pendant ça fait attaquer physiquement Esaü. Si pendant ça fait ta et attaquer Louko ou bien attaquer physiquement. Ou quoi qu'on dit que tu vas le passer?
Est-ce que pas un assassinat spectaculaire qui va le faire dans le pays? Côté, quel est sacrifié nous aujourd'hui là? Il a dit à Dieu que fait. Par Ricochet, il a dit c'est Ariel Henry. Donc, il y a une implication politique qui a mis nous dans une situation chaotique qui a fait blanc vin plus vite. Attention! Parce que on a toujours dit que Badiou a le bras long. Si monsieur a participé dans haut niveau ça, dans l'assassinat président, ce n'est pas moi même qui est au micro, qui a parlé après-midi pour le prendre un poule. Donc, société a, si ça arrivait, a pris un réel responsable. Ça est capable d'actionner les situations chaotiques là. Et force sollicitée, il a fait plus vite. Donc, les politiques doivent être lucides. Et pour finir, ma baille louko désir à Esaü ou information. Que deux zélés en bas gouvernement. Autorité en place pour fermer Radio Téléclair et fermer Radio Zénith. Vous dites abdi diffamation. Monsieur dit diffamation. Ma petite qui est. Et prêt à la justice avec nous. L'éclair parce que le coup a parlé trop et me sourit tristement les bonnes nouvelles là. Vous dites pas ici 120 semaines et d'un oeil car il pas de courant. Il a répondu quelle est cette affaire. Zélé autour de Ariel qui m'a dit ça. Fermez la chute de l'éclair, fermez la chute de Zénith. Nous m'avons fermé. Nous avons fermé. Et vous avez dit fermé Radio Caraïbes, vous avez dit ça qui passé. Nous avons tout dit non, nous là. Nous avons tout dit non. Nous tous les deux. Puisque nous avons un gouvernement déjà, comme ministre. Pas comme levé. Bon. Les éléments sur lesquels ce groupe est intervenu et expliqué en quatre actes, c'est des éléments non seulement qui dans le dossier des CPJ, mais c'est dans échange avec les autorités constituées de la République et dans l'enquête sur le terrain, parce que ce groupe n'a pas inventé rien. Ceci dit, de façon calme, je dois saluer les collègues Louko Désir et Esaü César et une salutation spéciale et particulière, de manière particulière, n'est-ce pas, pour Pierre Espérance. Donc, c'est non, nous quatre là cités dans un dossier qui a rapport à la justice. Tout d'abord, moi, je voulais aborder questions de manière professionnelle. Sans faire de la politique politicienne, sans a priori, à dire comme si mon côté me râlait. Et la façon dont je vais répondre, il faut tout le monde poser tête pour comprendre ça, Mabdia. Si je suis avocat, même si je me fais trois ans en noir, si je suis avocat, je te dis c'est protéger ma protéger corporation, hein, etc. Si je me quoi des bouquets, je te dis qu'on est bon. Non, mais ce n'est pas ça. Je prends un point de vue technique
et puis je vais chercher à comprendre avec nous ce qui passe. Parce que au-delà de tout ça, mon abdi, mais il y a une réalité quand même. En premier lieu, femme dit nous, sommation, c'est un acte d'huissier. Ça veut dire, Val, Marco, c'est nous, mais c'est un avocat. C'est huissier qui te doit préparer acte. Parce que je l'ai entendu à la radio. Marco, monsieur Diébali. Vous êtes quoi? Non, pas toi. Ah, mais monsieur Diébali. Et pour ça que je ne vais pas m'intéresser à faire interview à monsieur. Puisque là, il a tout dit ce matin à Radio Barré. Il dit Diébali même. Il dit porter au porter aussi à Bali, et maintenant, etc. Et puis il finit. Donc c'est porter au porter Bali. C'est l'huissier qui te doit préparer à la. Par exemple, en France, ou un cabinet huissier, ou un cabinet avocat. Mais en Haïti, vous voyez. Ou des cabinets d'avocats. Si vous avez un problème, ou un huissier, c'est lui-même qui doit rédiger acte. Une fois que acte a rédigé, c'est son acte. Ça se dit, c'est pour l'île. Ok? C'est son acte. Mais, monsieur Val, comme on a métier, et tout avocat capteur de, et comment avocat qui est venu matin dans le comblier, non, monsieur, profitez pour ça, lui, le MTT en dit. Et point de vue là, mais m'apprécier ça et nous dire merci pour l'intervention. Profitez, avocat, monsieur, tu es venu, comme ici, avocat Anel Belize, monsieur. Caleb Jean-Baptiste. Ça veut dire que Caleb Jean-Baptiste. Hein? Anel Rémi? Il t'a parlé matin? Anel Rémi? Donc, profitez de ça. Donc, en Haïti, encore, j'aime bien dire, huissier, yo, pas gain des compétences. Pour rédiger un acte. Il y a plus, Marco, plus que 80% des actes qui fait yo, c'est avocat yo qui rédige. Et yo qui te place pour ici yo mettre matricule, nom, prénom, etc. Et puis négocier. C'est même bagaille ça qui passe ici ça. D'ailleurs, lors de ses interventions, il a eu à dire que même il va clure. Et monsieur dit, il prend un zip. Mais calmez-vous, pas prendre un zip. Pour moi, on pas prendre un zip, Ok? Et bien, faut tout niveau ça. Donc, il n'y a pas de monde pour qui reprocher de faire ça. Et parce que je ne vais pas échanger tout. Parce que je ne vais pas faire ça. Je vais l'expliquer. Donc, une fois que réussi a fini, il finit de signer ses actes, il n'y a pas qu'à renier, il n'y a pas qu'à dire, il n'y a pas pour lui lier. Acte est pour réussir à lier. Mais qui te porte le dossier? Ici, à te déposer dossier dans Radio Télé Éclair, dossier dans RNDDH, c'est à pas monsieur que lié et c'est pour lui que lié. Ça veut dire, tout acte que yon huissier rédigé, lui fait objet de confiance. Et pour pas faire acte ça à confiance, faut porter plainte au pénal. Là, ça va. Ça vous croyez. Pour capable établir que dossier UCA, ils sont faux. Son action pour voter, pour qu'ils soient faux. Mais jusqu'à présent, à classe son acte du ciel, à classe pour l'unier, c'est son acte. Et pour capable de venir faire faux procès criminel. Maintenant, je m'adresse aux avocats. Il y a eu, c'est ma part la population en tout. Parce que vous prenez qu'à réagir, pas réagir comme ça. Même si je me fais enquête sur le là, même si je me fais enquête mal avec avocat, sur ça. Parce que c'est la méthodologie, il faut être clair. Donc, si vous voulez intervenir, on va intervenir après même. Et si après procès, tribunal, il reconnaît que l'exploit faux, moune ça, ça veut dire si vous avez un procès, yo vin garder acte ça UCI a porté le fort li pas bon monsieur yo ka emprisonné entre 3 et 15 ans prison monsieur ka prend entre 3 et 15 ans prison c'est là pour nous avec UCI à gonia là s'il accepte font bail comme ça et que dossier a faux donc et c'est le ça tribunal là pour dire que dossier ça pas ka servi ça monsieur pote bon moyen il a dit pas ka servi avec donc déclaration que réussi à faire pour dire que le bateau courant, c'est une plaisanterie. On ne m'a pas là ici. C'est une plaisanterie.
C'est de l'irresponsabilité. C'est votre acte. Ou pas dit que vous ne pas connaître, etc. Ça montre tout que ici c'est ça. Que je ne pas même citer d'autres même. Je ne pas qu'on j'oublie. On n'a pas là, UCA. Maintenant, une question. Est-ce que UCA commet une faute les accepter, signifier acte batioa? Est-ce que l'accepter en faute? Est-ce que nous devons critiquer le pour ça pour nous dire on arrête elle? On crase Kaili? Non. M'a dit non, 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 monsieur, pas fait aucune faute. Et pas parce que c'est le grand désir. Et pas parce que c'est le grand Esaïe César. C'est pas parce que c'est le fameux Pierre Espérance. Et pas parce que c'est Gary Pierre Manchal. Et que ici, il y a un nom de ces barreaux. Lui, c'est à poté le barreau, il faut les sommer. Pour ça, me dit non, pour deux raisons fondamentales. Première raison. UCR est un officier ministériel assermenté. En ce sens, son ministère est forcé. C'est-à-dire, il ne peut refuser de faire son travail. Il va pas demander le fond de la vous dit non. Donc, ministère forcé, il a dit, il n'y a pas qu'à dire non qu'il n'a pas fait travailler ça. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison. Le fait que Badio soupçonné de participer à l'assassinat lâche et crapuleux du président de la République et qu'elle fait objet d'un mandat, Badio sont suspects, Badio n'a pas perdu automatiquement ses droits civils et politiques. Parce que Badio est un suspect. Il n'a pas perdu ses droits civils et politiques. Donc, à cette question, je réponds non, parce que Badio n'est pas condamné à la mort civile. Parce que c'est suspect. Donc, M. Guy doit sommer. Il doit sommer Lugo. Lui doit sommer Pierre Espérance. Parce que c'est son suspect. Comme je disais tout à l'heure à Val, on parlait de fugitif, mais il est un suspect. Merci Val, pour tout à l'heure. Merci à Marco. Il n'y a pas encore de jugement. Bah, Dieu peut donc exercer tous les droits reconnus aux citoyens. Voilà comment je ne pas répondre à ce qui fait là. Il faut prendre de la hauteur. Non, bah, il va se dire, descendre à tes jours, bah, comme ça. Mais comme fugitif, m'a posé cette question, est-ce que je suis capable de faire ça? Je me pose une question, Macron, comme fugitif. Est-ce que je suis capable de faire ça? Mais on ne peut pas demander à Lucien ou avocat, pour dire nous, côté Badjoré, comme j'ai entendu certaines gens parler pour dire, oh, depuis le siècle, café fait ça, avocat, faut dire que c'est... Non, 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 non. La justice va fonctionner comme ça. Là, vous faites de la politique, c'est de l'enfantillage, vous ne pas comme ça. Comme si, nous avons dit, grand monde qui prend avocat en France, qui prend cabinet d'avocat en France, qui défend, mais nous n'en caché, et puis, service secret français n'est pas qui... Dans le cabinet. Pas de ça. Il faut que tu sur la loi. Et pas parce que tu tué président. Et pas parce que tu tué Dorval. Qui fait la loi mourir. Il faut respecter ça. Donc, comme Badio fait objet d'un mandat d'amener, et que la police n'a pas arrêté, ne pas jouer ni pour arrêter. Ça témoigne de la faiblesse de la police nationale. C'est la police qui doit joindre Badio. Parce qu'il dit, si il y a un avocat, il n'y a pas des informateurs de la police nationale. Ils peuvent toujours collaborer avec la police nationale, mais ils n'ont pas informateur de la police nationale. C'est faiblesse de la police qui fait pas arrêter Badio. Donc, je dis, on n'est pas qu'un suspect de l'assassinat du premier citoyen de la nation. Et puis, qu'on y a le fait qu'on huissier pose un acte, le fait qu'on avocat pose un acte, qu'on y a changé cible là, n'a pas voulu, est-ce sous huissier, est-ce sous avocat? Non! Cible est Badio! Cible est Badio, et surtout, l'issue dit l'avocat, et l'icône en bas, même s'il n'est pas payé, etc. Il y a des droits, il n'y a pas de parler.
Nous deux là, moi-même, nous avons nous deux là de ça, nous avons fait comme interview, etc. Il faut aller plus loin. Et je vais plus loin avec vous et vous allez comprendre. Lucien n'est pas un indicateur de police. Pour la police. Il n'est pas un informateur. C'est la police de prendre ses responsabilités. C'est la police qui pourra arrêter Badio. Si Badio là encore, c'est la police qui pourra arrêter. Là, ici. On est dans un état de droit. Tout doit être fait selon la loi. Si la loi pas dit qu'on n'est pas capable de poser un acte extrajudiciaire, donc, Badio comme suspect, Badio Raphaël. Je peux te dire, et pour évoquer la loi pour dire, loi ça est illégal. Mais n'oublie pas que Badio est le suspect numéro un de l'assassinat du président. Je vais venir sur ça pour nous. Mais quand Badio a envoyé ce papier à Scoop, à Gary Pierre-Paul-Charles, à Louko Désir, à Esaü et à Pierre Espérance, quelle est la valeur juridique de cet exploit ou de ce document? C'est cette question que nous devons poser nous. Quelle est la valeur juridique de ce document? Je réponds. Ce document a très peu de valeur juridique. Val. Et je dirais, aucune valeur. Suis-moi bien, parce que tu n'as pas la bonne suis-moi bien. Document n'a pas aucune valeur juridique. Rien du tout, pas gagné pour la justice du tout. Ou action en diffamation pour un dossier pénal, les subsidiaires par rapport au dossier principal. Ça veut dire, Badio a gagné déjà une action qui est tentée contre lui, dans le dossier assassinat, dossier diffamation, hein? C'est pas lui qui est prééminence, c'est là où il fait dossier assassinat. C'est là ça il va regarder pour voir si c'est vrai, qui est diffamation ou pas. Donc, c'est pas un acte juridique que lui. Cela veut dire clair. La déclaration faite dans la presse sur Jovenel Moïse. Pas de monde qui a au courant si c'est diffamation ou pas. Donc, bagaille pas de dossier pas nul. Seul je pour qu'on si dossier Badio important, vrai, faut que le procès qui fait, et c'est après procès. Je dis Badio pas impliqué. Et c'est à partir de ce moment que le juge correctionnel là, il est capable d'intervenir sur lui. Mais entre temps, pour question qui a rapport avec diffamation, le juge correctionnel là, il a suspendu l'audition à faire rapide. Jusqu'à faire procès, et c'est après procès, il est capable de faire attaque en diffamation. Donc, dossier n'a pas de valeur juridique. Question 2. Si sur le plan juridique, le dossier de Badio n'a pas de grande valeur, donc Badio est à la recherche de notre résultat. Si l'homme Badio a chassé, son action donc a un caractère purement politique. Voyons maintenant ce qui se passe sur le plan politique avec Badio. Parce que juridiquement, ça ne tient pas debout. De l'enquête menée par la DCPJ relative à l'assassinat du président Jovenel Moïse, dans la page 118, qu'on y a ma réponse, Badio. Il a écrit, et m'a dit Badio, m'a cité pour lui. Quand du nom de Félix Badio, il est considéré comme étant l'un des cerveaux de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Selon l'information de CPJ, et Badio, c'est lui qui t'a coordonné sur le terrain l'assassinat du président. Badio, je cite. Si vous existez toujours. Allons de si à regarder vous. Et on continue toujours, oui, dans la page 118. Il dit un mandat d'amené a été émis contre certains suspects, dont Félix Badio. Mais bagaille là, mais comme ça. Il a relevé également que Félix Badio t'a parlé à le premier ministre en téléphone. Dans le rapport. C'est là qu'on allait.
dans la voie. Et quelques heures après l'assassinat, tu as un CSPN spécial sous question ça. Claude Dega, témoigné de ça, parce que moi-même, vous connaissez mon dossier à bien. Et vous citez nos Badiou comme suspect numéro 1. Et c'est Badiou, selon CSPN qui t'a fait là, qui t'a fait le lien entre les grosses légumes, c'est-à-dire les gens qui t'a financé l'assassinat, et ceux qui allaient exécuter œuvre sale ça, qui c'est assassinat Jovenel Moïse. Donc, c'est-à-dire, cible Badjoa, lui pas aller sur le plan juridique, l'aller sur le plan politique plutôt. Donc, Badjoa est considéré comme la personnalité centrale, criminelle. Et c'est l'appel de Badjoa à Ariel qui a jeté la suspicion sur le même. C'est téléphone ça m'a encore joué qui mettait Ariel en difficulté, qui dit Ariel la donne. Sinon, pas de monde qui t'a parlé de Ariel du tout. C'est le numéro de téléphone ça. Kounia, nous allons regarder pour nous. Acte Badjoa. C'est une attaque contre la liberté de la presse. Son attaque en règle contre nous-mêmes parce que Pierre a parlé tout, Pierre a agi, Esaü a cloué quoi a agi, Emmanuel a agi, n'a pas parlé. Il tentait pour le fermer bouche nous. Badjoa peine perdue. Seule la mort, comme disait le consoir, seule la mort. Ou pas qu'à fermer bouche nous. L'un mourit, l'autre n'a pas parlé, Valakra n'a pas parlé, Marco a parlé, etc. Mais n'a pas parlé. Donc, nous déduit. Action Badjoa lui visait directement Ariel. Parce que qui ça, monsieur, voulait faire? Monsieur voulait attaquer nous pour diffamation. Et puis, comme nous tous connaissons que lié avec la réalité par la veille, il faut attaquer le pouvoir. C'est attaquer pour attaquer Ariel. Donc, attaque, ça se fait, hein? Son action pour affaiblir Ariel dans l'opinion. S'il fait pour affaiblir Ariel dans l'opinion, donc, Badjoa a un problème avec Ariel. Que la pression. Parce que, comme si tout le monde sait que Louko Désir, c'est quelqu'un qui a lancé la mobilisation anti-Ariel à la radio. Louko dit des bagailles comme leader politique, comme candidat à la présidence, et des bagailles qu'il dit. Bon, Louko prend responsabilité. Mais je dis, il faut qu'Ariel aille. Où n'est-ce qui dit, il faut qu'Ariel aille? Qui dit, tout écoute ça, comme on attendait, etc. Et puis, qu'on y a, où attaquer? C'est Joudil. Continuez. Mandez des barrières. Badjoa, ma vie, faut passer, moi. Attention. Vous gagnez plus tactique. Politicienne. Passez. Dans la faire montage. Mais on va rapide. On va lire dans l'être fin passez. Vous voyez me craser, Ariel. Ou mandez Esaü César. Craser. Parce que Louko. Esaü. Pierre Espérance. GPPC, nous pas dans la logique assassinat là même, nous-mêmes. Même si Pierre était contre Jovenel, mais Pierre demandait au série de bagages pour Jovenel. Donc, monsieur choisit les personnalités clés pour le faire question sommation, hein, pour nous pour le porter nous à craser Ariel. Donc, nous comprenons ça. Mais nous continuons à parler, vous me dites. Ariel et Badjoa pas le tableau politique la même. Pas qu'il y ait qu'à dire dans le pays qui parle de Badjoa. Même le juge d'instruction, comme si dossier a mouru. Si dossier a mouru et que Badjoa en accord de sainteté avec Ariel, l'hypop vient à sa cunière. Il y a une logique. Il n'y a pas évoqué le coup. L'abtenu l'autre moment peut-être. Mais ça qu'il fallait évoquer, ça veut dire il y a un point sur lequel ils ne sont pas d'accord.
il y a un problème entre Ariel, Badjo, ou bien un gouvernement avec Badjo. En plus, bah, elle va aller. Par cette action, Badjo mandé, il faut que glisse le dossier de l'assassinat du président sur la table du Conseil de sécurité des Nations Unies, puisque la Chine l'avait évoqué. La Chine t'a dit clairement son gouvernement illégitime, donc il participait dans le paquet de bagages. Là, on fait ça. Monsieur tout mandé, vina ça sous table à tout. Il m'a déglissé document ça sous table à tout. Donc, tout l'escroc, tout le monde montre clairement que le problème entre Badjo et Ariel. La sommation est un prétexte. Depuis c'est Badjo qui fait le vrai, c'est que le problème. Donc, c'est on va être bail m'a dit val avocat et juriste val gain plus bail pour dire j'ai sans information là et bail sans réponse il n'a pas m'a demandé est-ce que la justice a fonctionné lui-même avec ya dans mon manuel là à l'image du pays est-ce qu'elle a fonctionné oui elle fonctionne à l'image du pays non mais le pays fonctionne là. Et oui, c'est mon pays à l'oc. Et oui, moi connais l'oc tant que moi presque tout le monde chita la caillou. Et en pile mon travail dans l'état, moi aussi dans la caillou. Oui, justement. Et bien, ouais. Mais ça que demander si la justice là a fonctionné lui-même. Et à haut niveau, à haut niveau. Et ou bien au travail par visioconférence. Bon, pas d'information ça, mais ça c'est certain. Bon. Bon niveau de fonctionnalité peut-être ou qu'a estimé qu'il est faible. C'est un petit bagage qui fait quand même. Vous comprenez? Donc, c'est ça que je me dis. Donc, c'est à l'image du pays, puisque il y a quelques temps là, il loque de pas lui-même, autorité, pas j'en fais rien. Il y a deux loques là. Vous comprenez ça, je me dis là. Et on va parler d'un système judiciaire qui a fonctionné. Tant qu'on a une autre société, bon, pas même une comparaison possible. Mais. Et c'est même bien sous demandé si primaire monsieur. Alors sous demandé est-ce que vos questions comment est-ce que primaire monsieur fonctionnel. Il y a besoin il est fonctionnel quand même. Mais peut-être pas en plein régime. Primaire monsieur fonctionnel, palais national fonctionnel. En dépit du fait que le va gagner président, il y a un secrétariat général, conseil des ministres. Ah, comme si vous pensez là si on monde besoin font passeport là, la carte descend. De loi 31, la privée, la fait passeport. Et ça va demander, oui. Ou pas, c'est bureau, ça va ouvrir. Non, ça accepte, gros. Dans le moment, on a parlé d'un ensemble de bureaux, d'entités étatiques qui ferment. Mais n'empêche que, au cas jeune, certains bureaux, certaines institutions étatiques qui ouvrent comme bail service. Non, façon pas, yo. On comprend ça, nous, là. Ok. Par exemple, si nous voyons la police, son entité dans l'État, elle fonctionne. L'institution policière fonctionne. Elle fonctionne. Mon DG, je me supposais que DG a le bureau. Ah, vous supposez. Il y a. Comme bras répressif de l'État, il y a. Vous comprenez ça de tout là. Non, mais pour d'accord, la police a fonctionné. Son problème pour d'accord, la caillou et pour aider la police, pour d'accord, c'est fini. Non, mais nous, la police dans la rue. Nous-mêmes, il faut toujours questionner ça pour nous comment nous avons arrivé et nos niveaux dans le pays à côté que. Et l'institution que la police est effective, elle a une capacité, elle a un moyen pour les populations de service, c'est-à-dire protéger la vie avec bien. Mais sans évoquer là, c'était toujours le cas. Non, ces derniers temps, les difficiles. C'est ça que je veux dire. Mais ça est dans le bien difficile. Mais je parle des derniers temps, ça moi-même. Nous avons un pays qui toujours a fonctionné et. Au ralenti
son pays qui a fonctionné boiteusement, tout comme ça. Yeah. Et mais dernier moment ça, une crise gaz. Une crise gaz. On va y gaz mettre dans machine yo. Incision, incision pas gain gaz pour mettre dans génératrice pour fonctionner. Bah quoi si vous besoin papier là non ou avez cité ou almut en l'air ou pas le faire ou après malheur ben dans l'air fermé parce que vous pas gain gaz pour ouvrir et gaz qui va gain en fait que même banque de gain problème signal semaine nous autres basé bon une semaine semaine ça même banque de gain problème signal signal pas fonctionner bien puisque un paquet appareil qui pas fonctionner et ça peut me demander est-ce que son pays qui a fonctionné est-ce que le pays a fonctionné au point que et dans niveau justice là n'est capable faire sommation pour m'en dévoiler pour aller répondre pour jouer franc pour faire ça parce que moi même c'est ça dans valable dans pays qui a fonctionné pays nous rien là je dis moi pas quoi son pays qui a fonctionné pas quoi son pays qui a fonctionné parce que m'tend des monde qui a pris en moué et me parler à un ami et qui gain maman qui malade il m'a demandé pour faire opération en urgence. Il est dans le sud. Tout côté li allé, yo dit que l'hôpital yo pas ka fonctionner parce que pas de gaz. Il y a deux bagages pour moun yo passer terrifié dans moment. Alors que imaginez c'est un monde qui était bail pour examen, yo mandé pour faire opération en urgence. Et la paix fait échange de ensemble de messages avec la montrer me côté que médecin dit lui que et c'est soit lui tan rétablement la tan ou bien s'il gagne moyen mais en République dominicaine ou bien en Cuba troisième cas hein troisième cas ou bien mourir ou bien mourir ou bien même quoi gagne qui dit prier oui donc c'est pays ça nous là yo dit donc moi ça que me pose question bon ouais ben en tout cas président alors ça que c'est depuis après 6 7 juillet pays à son pays qui tombe dans un régime spécial. Parce que pas oublier nous sont pays et à tradition présidentielle. C'est-à-dire dans la culture mounio président alors dans tout l'état dans majorité l'état dans majorité société donc les présidents ils jouent un rôle capital surtout en Haïti. Vous comprenez? Et même expérience que l'a fait là avec et le gouvernement ou le premier ministre c'est pas pile dans l'histoire donc comment ça va c'est à partir de fin et deuxième moitié 20e siècle là et avec la mort président Jovenel déjà vide institutionnel ça c'était un handicap majeur pour fonctionnement l'état n'était toujours pas fonctionné régulièrement, mais ça, il constitue un handicap majeur. Moi-même, je pense que, bien bas, je dis à Brésilien Jean, fuck, en pile, mon prier dans le contexte, nous là, en situation spéciale que nous là, pour que vous pas arrivé. On mon prier, alors, quand même, soit qu'il y a un pour que vous pas gagné maladie ou besoin de faire opération. Ouais? Parce que vous êtes malade, qui ont une maladie qui exige que vous fassiez opération. Tout le monde est arrivé. Vous n'avez pas de déplacer avec. Et pour déplacer avec, tout dépend de vous. Vous n'avez pas arriver à l'aéroport, attendez. Bon. Il y a un centre médical qui dit qu'il ouvre jusqu'à 2 heures. Voilà. Donc, alors, est-ce que c'est. Imaginez un monde qui fait accident. Un monde qui fait accident. Donc, c'est-à-dire qu'on sort de côté, on fait analyse, côté, on fait examen, côté, on fait scanner. Et puis, il est fermé à 2 heures. Donc, on a. Alors, ce qu'il y a de. Vous imaginez un monde. Il a de fonctionner 24 sur 24. Il a de fonctionner. Donc, imaginons que il ouvre jusqu'à 2 heures. Donc, c'est-à-dire que il n'est pas responsable de sa crivo à 3 heures, à 4 heures. Mais, quelque part, il n'est pas faute parce qu'il n'y a pas de. C'est juste. Il n'y a pas de carburant pour fonctionner. Moi-même, je pense que ça, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple de sa responsabilité là. C'est l'État en tant que tel. Oui. Parce qu'on ensemble le minimum, et c'est ça que moi, parce que la population, il faut le comprendre que, et je dis, il y a toute une nécessité pour changer de dirigeant, il
faut réfléchir sur ça. Avec qui elle va changer là. Faut réfléchir sur ça. Moi-même, Non, mais c'est lui. C'est pas la population qui a convoqué le peuple. C'est elle qui va voter. Oui, c'est elle qui va voter, mais il va le voter. L'élection. D'accord, oui. Vous allez dire ça, c'est pas de manière immédiate, non. C'est pas immédiatement le changer, non. Et ça, je me dis, faut réfléchir sur ça. Parce que moi, mon deuxième bagage pour mon pas souhaité que vous là. Guillaume là, moi, qu'on parle préparé pour lui. Moi, je faut expérience, ça, expérience chargée, mon ami. Pour me traverser, c'est sorti ici, à le planifier, funéraire, papa, me gounaï, me sorti ici, me le gounaï. Allez, au toi, c'est 25 000 gouttes, écoutez, 5 000 là, ici, parce que c'est moi. On le